Ok les mecs, ça va quoi la bistouquette? Ça va les influenceurs? Ça va les influenceurs? Non, vas-y les mecs, pour de vrai. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on est avec Power Jumper, on est avec Nara, mais vous le voyez pas, il est derrière la caméra. Mais non, mais mec, là. Ferme ta gueule. La caméra veut pas se mettre, ça me casse les couilles. Et les mecs, du coup, on va commander McDo, on va déguster un McDo à Dubaï. Parce qu'il y a pas mal de trucs, j'ai remarqué qu'on avait pas en France. L'île classique, on va goûter McDo. Et en plus, raison de plus, en France, c'est pas halal. Bah, enfin, ouais, j'en ai rien à faire. Moi. Voilà, lui, il s'en fout. Mais moi et Nara, on s'en bat pas les couilles. Du coup, on va goûter. On a fait une petite sélection. Attends, avant de parler de la sélection, est-ce que t'as pris le Mac Arabia Chicken? Oui, je l'ai pris. Il a tout pris. Oui. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pris. Une banane. Il y a une banane. Comment voir UMS manger une banane quoi. Non, mec, ça se trouve la banane, ça se trouve la banane de Dubaï. Tu la dégustes? Bah bien sûr je la déguste. Garlic mayo saffle sauce, c'est une sauce. Elle est toute bleue. On va manger des croûtons. On va manger des croûtons. Ouais. Les mecs, on va manger des croûtons. On va aussi manger une sauce qui s'appelle Sweet and Sour, un burger qui s'appelle le Smoky Barbecue. Je vous mettrai des photos de ce qui apparaît. On va manger un burger épicé qui s'appelle le Spicy Crunchy Chicken. J'ai pris que les trucs qu'on n'a pas en France. Du coup, c'est normal si vous voyez pas les Big Mac et tout, ça sert à rien. J'ai pris le Mac Arabia Chicken. J'ai pris des nuggets. On sait jamais si elles ont un goût différent. J'ai pris apple pie, c'est je suppose un truc à la pomme. Et j'ai pris des frites aussi parce que ça se trouve elles ont un goût différent. J'ai pris quarter pounder with cheese. Je sais pas ce que c'est, juste c'est un nom différent. J'ai acheté. J'ai pris le T'es vraiment le Yankee de Dubaï. Les gars, c'est le Yankee de Dubaï, les mecs. Il achète tout. Ah, depuis qu'il est là, il achète tout. Tu racontes l'histoire de ce matin, la petite anecdote là? J'ai acheté un débardeur à 30€. J'ai acheté ce débardeur 30€. Mais il moule bien mes pecs, du coup ça va. Après, je suis allé sur le site de Tibouinchep, j'ai vu, il coûtait 23€. Je me suis dit, ça va. Il abuse quand même. Un crunch chicken barbecue et un Mac Royal. Du coup, pour le moment, on a ça. Je vais voir si je peux encore ajouter des trucs. Il y a des Minute Maid jus de pomme. Mais de base, c'est jus d'orange, mais vas-y, du coup, jus de pomme. Hein. Des couilles au chocolat? Non, non. Chocolat bowl. Wouah. Ici, ils ont des menus pour 12. Regardez la photo. Regardez la photo du menu. C'est dans le truc, c'est que ça se commande, c'est sûr. What the fuck. Mec, vu comme ça sur la cam, c'est énorme. Mec, il y a un Chicken Mac. C'est pas un Big Mac, c'est un Chicken Mac. Je prends. Tout ce qu'il va commander là, on va le manger. Hein. Des gros lards. Hein. Ah oui, non, non. T'as oublié, on est 5 dans l'hôtel. Tu vois, on est 5 mecs dans l'hôtel. Comme ça, c'est bizarre. Il y a pas une seule meuf ici. Hein. Ça fait 3 ans que je cherche. Hier, il y avait une soirée à côté. Tout le monde se pissait dessus. On voulait pas leur parler. Et porter un peu mes couilles, je suis allé leur parler. On demandait si Gamy était gay. C'est arrêté là quoi, après le mec il m'a demandé de bouger. Encore ma carte, putain. Pourquoi ils veulent que je paye eux là? Franchement, ils peuvent pas me l'offrir là, putain. On a pris pas mal de trucs du coup. Je vais tout montrer après sur la table ce qu'on a. Du coup, c'est quoi ça? Ah, oh. La banane les mecs. Mais la taille des grandes frites, ça n'a rien à voir en français. Elles sont à moins 10 degrés, ce que c'est de merde. Et alors, tu juges là? Il y a 30 minutes de route jusqu'à ici. Hein. Ça, mais elles sont archi froides. Archibonnes. Oh, les boissons d'ailleurs sont bien mises. Ah. Oh, le flot! T'es de merde, c'est un flot. Oh. Alors, toutes les boissons. On les a toutes là. Là, on en a une de plus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une sauce? Non, je crois que c'est du jus de pomme. Ah ouais, c'est wow, le chelou, hein. Chelou, jus de pomme. Jus de pisse, quoi. Maintenant, ce qui est bouffe alors, on a un énorme sac de nourriture. Alors ça c'est les frites. Ah ça c'est le Big Mac mais version chicken. Des croutons, c'est les croutons. Oh, les croutons. Monte les croutons comme c'est une arnaque. Bah en vrai sur les photos c'était beaucoup plus gros. Ouais. Là je sais pas c'est quoi comme sauce. Attends mais en fait j'en ai acheté plein de sauces bizarres. Viens on mange. Sweet and sour sauce. Ah, quarter pounder avec cheese, je pense que c'est mais c'est. Oh, là, là. Mac Arabia ouais, chicken. Ça, ça. Sauce qu'on a déjà. Chicken McNugget peut-être à jouer un goût différent on va voir. Là le flex du muscle. C'est quoi ça? Apple pie, je crois. Oh, ça a l'air trop stylé. C'est les pommes croustillantes là, je crois. Oh là là, dingue. C'est chaud, c'est chaud en plus. C'est chaud. Hein. Mac Royal. Oh là là. Wow. Oui, on appelle la commande de la soirée, mais ah, je crois que c'est Mac Royal. Hein. Ça, c'est une dinguerie. Signature Collection. Voilà, la présentation du truc. C'est bien emballé. Kindo. Non, c'est un autre, mais là il y a un steak. Le steak il est super bon. What the fuck. Le petit dernier. Special, il s'appelle. C'est le special. T'as d'ailleurs celui-ci, il est petit à mon avis, c'est une dinguerie. On commence par quoi? Banane. Banane. 20 euros la banane. Déjà, elle est bien mûre et tout. Ils ont pas mis une banane de merde. Attends, regarde, putain, la table à quoi elle ressemble. Ouais. Une vraie table, hein, une vraie table. C'est qui veut goûter en premier? Elle a l'air excellente. On est en train de faire un rituel pour une banane. Enfin, oh, c'est vraiment le seul à... Ah. What the fuck. Est-ce qu'elle a du coup? C'est une banane normale, ils l'ont commercialisée sous forme de banane McDo. L'acteur. C'est la bonne. On commence par quoi? Maintenant on commence par le Mac Royal. Ok, Mac Royal. Tu veux taper un croc? Vas-y. Y a une petite sauce dessus là. Dinguerie. Dans tous les cas, c'est pas le même Big Mac qu'en France. La sauce elle est bonne. La sauce elle est incroyable. Elle a un petit côté piquant. C'est de fou. Non, moi je peux pas, moi j'étais toujours le mec, il est super compliqué. Les gars, moi je suis vraiment compliqué. Tout à l'heure, on est tapé avec McDo, ça a duré 15 minutes. Pas de salade, pas de tomate. La moitié du pain, le cheese, vous le coupez en 3. Ouais, vraiment bon. Très bon. Mac Arabia Chicken. On va goûter le Mac Arabia Chicken, ça part. En train de manger actuellement, il est incroyable. Le pain, on dirait qu'il est un peu périmé là, parce qu'il y a des taches, on dirait, genre, tu sais, le fromage. Ah ouais. Je pense que c'est un design, mais. Y'a des petites gars. Oh, il est costaud. Oh, il doit avoir faim derrière l'écran là. Chicken poulet? Ouais, non, c'est du poulet. Les dégustations, les gars, ils regardent ça. Il a l'air un peu de. Il y a tellement de garniture qui est bonne. Putain, tout plaqué pour devenir un poulet. Ah, mais ça pour moi, c'est un bon 8 sur 10.
C'est pas aussi compliqué à manger qu'un burger, genre, tu sais, c'est un bon ami. Alors, celui-ci. Le Signature Collection. Il a incroyable. C'est une Signature Collection présentation, mon gars. Celui qui a le bostec. Ah, il y a du bacon dedans. On dirait un burger artisanal. On dirait un burger fait maison. Il y a du fromage. Alors, ça ressemble à ça. Ouais. 1, 2, 3, let's go. Ah, tu sens le bacon direct. Tu sens ? Là, instant. Le steak, je le sens pas trop. Je trouve. Ah, la sauce aussi, frère. Oh la vache, ça pique ! Vas-y, tape bien dans la sauce là. Tape bien dans la sauce. Ça pique un tout petit peu. C'est épuisé. Vraiment un tout petit peu. Regarde, l'ice tea est vraiment horrible. Moi, je le trouve meilleur. Non, vraiment, tu trolls. Tu l'as goûté ou pas ? C'est du médicament. Non, c'est du médicament. C'est du... Non, c'est du médicament bonbon, genre. Le special. C'est à peu près le même, sauf que sauf qu'à l'intérieur on a du chicken. Il y a une petite galette, c'est un tout petit burger, il est minuscule. Celui-ci tu le tabasses. Il y a un petit peu d'oignon caramélisé, une sauce barbecue. Non, ne dis pas qu'il est pas bon. J'aime pas trop. En plus ça pique sa mère, what the fuck. Ah celui-ci est encore plus agressif que l'autre. Ah j'aime pas. Ah j'aime bien, j'aime bien. Pas du coup. Avec le poulet c'est encore mieux. La sauce piquante avec le poulet c'est encore mieux. T'as goûté mec ? Ouais, non je pense que tu dois pas aimer mais bon. Il meurt. Vraiment. Mais ça, c'est archi épicé, wesh. Mais costaud. T'aimes bien ? Pas du tout. Ok, il nous en reste deux. Ah, bah ouais, les vidéos dégustation, c'est trop bien, mais c'est quoi ce délire ? On va pas faire les acteurs, les frites, ce sont exactement les mêmes. Je mange McDo tous les jours en France, c'est pas les mêmes. Elles sont plus molles. En France, parfois. The quarter pounder with cheese. Let's go. Ça perd. Ça ressemble à ça. Bah là, du coup, après, il y a la sauce non. Ici. Le pire hein, fromage. Le pain, comment il est beau. C'est le cheddar, il est incroyable. Le pain, il est tellement beau. Vas-y, let's go. 1, 2, 3. Pas de commentaire spécial, en vrai je crois. Au Maroc, je crois, j'ai mangé la même chose, c'est une sorte de Big Mac. Et... J'ai l'impression que le fromage est un peu différent. Mais il y a du fromage en bas, en haut. Deux tranches. Il y a pour un seul steak. C'est la taille des steaks Burger King, vraiment. Lui, j'aime pas trop lui. Ah lui, ouais j'aime pas trop, ouais, non. Bah, putain, il y a tellement de trucs en vrai que j'ai acheté. Nouvelle nuggets, on va voir si ça change. Bah, à mon avis, c'est sûr que ça change. Hein. Ah, par contre, la no joke, c'est différent. Rien à voir avec la France. Arrête. Non, mais déjà visuellement, mec. J'ai jamais mangé en France, tu vois. Mais... Beaucoup plus fat. Pour rien, non. J'arrive pas à le croire. On dirait que c'est les nuggets que t'as à la cantine, mec. Ouais, bah, ouais, ça. C'est les nuggets de cantine, gros. Ça marche pas. Bah, gros, c'est le giga merde. C'est giga éclaté, les gars. C'est d'impression les nuggets de cantine. Vous voyez la cantine quand t'es au collège. On a des trucs éclatés. Des trucs surgelés. Non, c'est vrai parce que c'est un peu plus tiède que tout à l'heure. Attends. Non, mais ça, c'est parce qu'on a commandé. On s'en fout de ça. Mais vraiment, genre, quand tu compares à la France, rien à voir. Encore une fois, elle. Oh, je te jure, ça, c'est une pépite. Ah, ça sent mauvais. Oh, tu vois. Ça sent archi mauvais. Oh, ça sent. Eh les gars, ça sent vraiment la mort. Ah, mec, j'ai vraiment pas envie de manger ça. Putain, j'attendais quand même ça. Non, bordé de. Oh, pite. Je suis pas sûr de la finir. Oh, bon. Viens, viens. Allez, mec, allez. Viens, on le tape en même temps. Alors. Ça me fait comme ça. C'est tellement dégueulasse. Non, viens de dégueulasse. À vomir. Oh, mais celle-ci, je l'aime bien. Celle-ci, elle a l'air bonne. Tabasse. Les mecs, on va goûter une sauce, les mecs. Dessus, il y a écrit. Écoutez-moi bien. Hein. Il y a écrit. Sweet chili sauce. Sweet, hein. Sachez qu'il y a des rappels d'urgence dessus, de numéro de secours. Laisse partir. Et attends. Généreux Spark. Bon, vrai alors, les gars. C'était dangereux. Oh, bordel de merde. Waouh. Tête de mec de nez, tu sens que ça te guacamole, ils l'ont mis dans le. Boisson que cela, c'est en train de tabasser. Coca. Vas-y, on goûte à Coca, les refs. Enchaîner les pires sauces, pas une bonne idée. Ouais. On goûte le jus de pomme et ensuite on déguste deux burgers. Il nous reste deux burgers. Le Chicken Mac et un dernier burger Signature Collection. Je sais pas exactement. Mais ça, c'est du jus de pomme. Dans tous les cas, si c'est du jus de pomme, c'est bon, la vérité. Le jus de pomme classique. Oh. Super bon, ça prend le temps. Mais il est vraiment good, hein. Il a des bourrées à l'intérieur. Soit le Mac Royal, soit le barbecue crunch chicken, un des deux. Alors, un gosse, t'as fait non, vas-y. Ah vraiment il est très très bon. Parce qu'il y a des. Il est archi bon, what the fuck. Wow, t'as pas un vrai crawl là. Lui tu vas le kiffer lui je pense. Tenders le pain. Chicken, moi j'aime beaucoup le chicken. Vraiment pas. Non. La chicken gros. Ouais, ça pique encore. Ouais. Y'a tout qui pique vraiment. Non je suis pas fan. Non c'est un truc de fou. Non je suis pas fan. En général, tous leurs produits épicés, j'aime pas. Code du MS pour un maximum de shield. Elle est pas trop bien l'intégration comme ça là, en plein de dégustation avec moi. J'ai bien, wesh, il y a du pour. Tu vas nous donner vite fait ton avis sur ce que tu penses. Wesh, les gens. Il va le tabasser, mec. T'aimes bien? Ouais. Tu sens pas le piquant? Oui. Ok. T'aimes bien le piquant? Ouais. Vas-y, goûte ça. Donne ton avis. Celui-là, t'aimes bien, le goût. Donc, celui qui pique, le mec, le dernier que j'ai mangé, il aime bien.
Lui 10 sur 10. Tu vas le manger lui. Je le prends. On prend absolument tout, c'est quoi ce délire là? Non mais arrête. Non mais putain. Arrêtez. Arrêtez de voler la bouffe. Ça se voit, ça fait 12 ans il a pas mangé. Ouais, celui-là il est vraiment pas mauvais. C'est mon préféré de d'ici. T'aimes bien? Mec, il est vraiment doux. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu différent. Oh, wow, il y en a un autre. Ok, le dernier, c'est le Chicken Mac. C'est Big Mac. C'est double chicken, gros. C'est double chicken, tu vas me dire? C'est Big. C'est le Big Mac, mais au chicken, bon. En fait. C'est ça. Ça va être deux fois plus épicé. Tu veux taper un con? C'est un Big Mac version chicken. Parce que ça va être deux fois plus épicé. Je peux t'assurer qu'il va t'arracher. T'aimes épicé? Ouais, j'aime épicé. Shadow? Oh, gros, t'as peur, tête de ma mère. Oh là, il est. Quoi? Toi, t'aimes manger épicé? Non, pas trop. C'est bon? C'est parti, let's go! Les gars, je peux pas. Bien sûr, c'est bizarre. Il y a vraiment encore beaucoup. Hein. Non, mais arrêtez de manger là, putain! J'ai faim! Oh! Apple pie! Apple pie, les mecs, t'as des trucs! Ok, garde. Okay. Oh. Tu m'as donné des bails comme ça, le truc. C'est bon? En fait, t'as des petits morceaux de moi. Je le tape un petit peu dedans. Alors, lui, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Un peu déçu en vrai. Bon, il est immangeable. On est d'accord, c'est pas ouf du tout. Hein. Ah, j'aime pas. Ah! Vers les mêmes. Moi, j'aime trop. C'est la même? La pomme chaude, j'aime pas. La pomme chaude, j'aime pas. Pour moi, la pomme, c'est quelque chose de frais. Oh, oh, je suis en train de câbler. T'es pas comme ça, comme ça. T'es pas comme ça. Ah, non. La goutte est bizarre. Oh. Je m'attendais à rien et je suis très déçu. Bon, les mecs, petit verdict. J'ai bien aimé cette petite vidéo dégustation. Ouais. Mais tout est épicé dans cette putain de ville. Ah, sérieux, ouais. Mec, la bouffe est épicée, les prix sont épicés, les meufs sont épicés. Non, vas-y, les refs. La chaleur aussi, elle est épicée. C'est tarpant, mon frère. Validé, hein. Vas-y, les refs, bisous à tous. Ciao, ciao. Quelle seconde, on a oublié les mecs, mais on va manger les croutons. Les croutons là, c'est bon, c'est le moment. On a totalement oublié alors que c'était le truc phare de la vidéo, le truc qui va faire des vues. Oh, ça a l'air tellement pas bon, mec. C'est vraiment mauvais. Non, si ça va, non, c'est bon, c'est bon. C'est des croutons, vraiment, y'a rien. Moi j'aime trop. Tu prends genre. C'est calé toi. J'aurais bien aimé un peu plus de goût quand même. C'est normal quoi. Ouais, c'est. Je m'attends à un truc. Là, tu t'attendais à manger avec une croutons ou quoi? Non, je pensais que ça va être. Ouais, j'aime bien. Non, mais ça fait 4 heures. Vas-y, les refs, c'est bon. Allez, ciao, ciao.